Bonjour, je m'appelle Dominique Lemarquis, je suis le vice-président à la gestion de projet pour l'Ouest du Québec à la Société québécoise des infrastructures. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter la Société québécoise des infrastructures, connue aussi sous le nom de SQI, et plus précisément son mandat gouvernemental dans le contexte du projet de requalification du site de l'ancien hôpital Royal Victoria. Alors, la Société québécoise des infrastructures est le bras immobilier du gouvernement du Québec. Donc, en tant qu'expert en matière d'immobilisation, la Société va être appelée à développer, maintenir et gérer un parc immobilier afin de répondre aux différents besoins et missions des ministères et organismes du gouvernement provincial. Les activités de la SQI peuvent se diviser en deux grandes catégories. Dans un premier temps, la gestion des espaces. On parle ici de gérer un parc immobilier de près de 350 bâtiments. Il y a aussi plus de 840 baux locatifs, donc partout à travers le Québec, pour toutes les activités du gouvernement du Québec, la SQI s'assure de pouvoir offrir les espaces nécessaires pour les ministères et organismes. Au niveau de la gestion des projets, il y a plus de 30 milliards de dollars de projets actuellement en planification, en réalisation à la SQI. Tous ces projets-là ne peuvent se réaliser sans l'aide d'une équipe qui est experte et dévouée. Donc, on parle d'architectes, d'ingénieurs, de mécaniciens, d'électriciens, de plombiers, on parle d'experts techniques en chantier, des estimateurs, des modélisateurs financiers, des avocats, donc toute une équipe qui est dédiée, plus de 1300 personnes, donc pour réaliser l'ensemble de la mission qui est celle de la SQI. Alors, je me permets ici de présenter certains des projets qui sont élaborés et réalisés par la SQI. On peut penser aux maisons des aînés, aux maisons alternatives, les écoles secondaires qui sont développées en collaboration avec les centres de services scolaires et le ministère de l'Éducation, les nouveaux complexes hospitaliers comme le NCH à Québec ou l'hôpital Vaudreuil-Soulanges dans la région de Montréal. La SQI travaille en collaboration aussi avec la justice, la sécurité publique, donc pour des palais de justice, pour des prisons, des postes de la Sûreté du Québec. On développe des bâtiments de type édifice à bureaux, des garages du MTQ, des musées, des places publiques. Mais je pense que dans le cadre du projet de Royal Victoria, il est bien important de souligner l'expertise de la SQI au niveau de projets à valeur patrimoniale élevée. Je pense par exemple au projet de l'édifice Wilder, espace dense au centre-ville de Montréal, ou encore le projet du 12 de la rue Saint-Louis à Québec. Dans le cadre du projet de requalification du Royal Victoria, la SQI doit voir et viser plus large que ce qu'elle fait normalement dans l'ensemble de ses projets d'infrastructure publique. Il est ici question plutôt de l'identification d'un potentiel de reconversion. Il est aussi question de conservation et d'entretien de bâtiments à forte valeur patrimoniale. L'élaboration d'un plan directeur pour l'ensemble du site est une des premières choses qui a été faite et sera d'ailleurs l'objet des consultations publiques qui sont en cours. La réhabilitation, la recherche de nouveaux occupants viennent compléter les diverses responsabilités de la SQI au sein de ce projet porteur. Une autre des facettes des activités de la SQI est l'association. Donc, la SQI peut être appelée à travailler en association avec d'autres organismes qui sont eux-mêmes gestionnaires de projets. Dans tel cas, la société peut travailler à offrir du support au niveau de la gestion de projet en général, certains processus d'appel d'offres, l'attestation de documents, l'accompagnement de manière plus globale. Dans le cas du projet de Royal Victoria, la SQI est heureuse de pouvoir travailler en association avec le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de McGill afin de développer le campus Royal Vic, qui est un centre de recherche et d'enseignement sur le développement durable et les politiques publiques. Finalement, la Société québécoise des infrastructures intègre dans ses projets les grandes orientations gouvernementales. Que l'on parle du plan de développement économique, de plan de politique énergétique, de plan d'action sur les changements climatiques, la SQI est appelée à intégrer les meilleures pratiques au sein de ses projets. Dans le cas présent, au niveau du Royal Vic, entre autres, le respect des enjeux patrimoniaux sera au centre de nos préoccupations. Les résultats, on peut les constater, par exemple, au niveau des certifications LEED, de certains prix Secobois, entre autres, qui ont été remportés, ou encore de l'implication importante de SQI pour le déploiement de centaines de bornes d'électrification pour les véhicules électriques à travers la province. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette capsule vous a permis d'en apprendre un peu plus sur la Société québécoise des infrastructures. Je vous souhaite une excellente journée.